Le présent cours télévisé se voudrait essentiellement une introduction à la peinture moderne. À la peinture, c'est dire qu'il n'y sera pas beaucoup question de sculpture, sauf tout à fait à la fin, quand il s'agira d'expliquer justement la désaffection pour la peinture dont on constate les effets dans l'art contemporain. Il est d'usage de commencer des cours du genre de celui que je fais aujourd'hui par le peintre français Édouard Manet. Et il y a des bonnes raisons à cela. D'abord, le peintre Manet traite des sujets de son temps, des sujets qui lui sont contemporains. Mais vous pourriez me dire que c'est le fait aussi de Courbet, c'est le fait de Daumier aussi. Mais avec Manet, on a en plus une très nette impression que les tableaux n'ont plus la même allure, n'ont plus la même présentation, ne sont plus peints de la même façon que les tableaux de ses prédécesseurs. Encore faut-il se demander et savoir pourquoi il en est ainsi. Biologiquement, notre œil n'est pas né peintre. S'il y a quelque chose, nous serions plutôt nés comme des prédateurs. Par exemple, nous sommes très sensibles au mouvement des êtres qui nous entourent. Et c'est une des facultés tout à fait utiles, si vous voulez, pour la perception, d'être capable de détacher d'un ensemble des tout cohérents et de leur donner immédiatement une signification. Supposez que vous êtes attaqué par un animal quelconque qui serait dangereux, il est important de pouvoir le détacher du fond et de l'identifier. C'est d'ailleurs en jouant sur cette faculté-là que certains animaux font ce qu'on appelle du mimétisme animal, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent dans la façon dont leur pelage est disposé pour presque disparaître, au fond, dans l'environnement. Vous pensez aux tigres, aux léopards, aux girafes, etc., dont les formes commencent à se dissoudre comme ça. Et alors, cette faculté de détacher des tout cohérents est très importante dans la vie courante, mais en même temps, c'est une faculté auquel les peintres doivent résister. Hein? Par exemple, on sait très bien que quand quelqu'un s'éloigne de nous à l'infini, il a tendance à diminuer, enfin, de dimension sur notre rétine. On pourrait dire que l'image devient de plus en plus petite. Mais comme on sait que c'est des personnages véritables, on n'est pas pour commencer à penser qu'ils sont transformés en nains ou qu'ils se mettent à rapetisser comme dans Gulliver ou dans l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Hein? Même chose pour les couleurs. Par exemple, ce qui vous entoure ici, c'est un gazon qui vous paraît vert et qui, alors à ce moment-là, en fait, si vous le regardez comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nuances de vert qui changent selon l'éclairage, selon le soleil. Ici, c'est plus clair devant moi, là, c'est plus sombre, il y a des teintes de bleu, etc. Toute cette variété, au fond, est uniformisée au niveau de la perception. Le gazon est vert. Hein? Alors, ce serait la même chose, d'ailleurs, dans des édifices. Si vous imaginez, en fait, qu'un édifice est d'une même couleur, mais si vous le regardez selon les illuminations, vous allez voir, il y a des parties qui paraissent très différentes. Et alors, il y a une espèce d'habitude, si vous voulez, que le peintre développe, dont au lieu de se fier simplement à ses perceptions, il doit commencer à développer ses sensations. Évidemment, les peintres qui ont fait ça les premiers et qui ont complètement transformé, disons, la façon dont on concevait la peinture, ce sont les fondateurs du mouvement impressionniste. C'est Édouard Manet, c'est Edgar Degas, éventuellement, les peintres dont nous allons parler aujourd'hui plus spécialement. Je viens de parler de mimétisme animal. Je ne connais pas de meilleur exemple de ce phénomène que ces insectes de la famille des phasmidés. Ils sont tellement semblables à leur environnement qu'on n'arrive pas vraiment à les voir se détacher de cet environnement, par exemple, d'une branche d'arbre. Si bien que quand on les voit de façon isolée, là, on comprend qu'il s'agit véritablement d'insectes et non pas simplement de branches. En somme, ils réussissent à ne pas constituer des tout cohérents dans l'environnement. Les psychologues de la perception parlent de constance perceptuelle, non seulement pour désigner cette faculté que nous avons de détacher des tout cohérents dans l'environnement quand on regarde la nature, mais aussi pour garder constante, et d'où le nom de constante perceptuelle, certaines qualités de la forme que nous avons ainsi détachée, comme par exemple sa luminance, son coloris, ses dimensions, son échelle. Et évidemment, par rapport à ce phénomène de constance perceptuelle, on peut se demander comment les peintres ont réagi.
Premier problème que les peintres ont solutionné depuis longtemps assez vite quand il s'agit de représenter la nature, c'est de faire abstraction, en somme, du mouvement. Parce que le mouvement, ça gêne le peintre. Après tout, il fixe une scène sur la toile et il doit donc s'exercer à faire des croquis rapides, à noter des expressions des visages, etc., pour être capable, justement, de représenter dans l'instant ce qui est donné, en fait, dans le mouvement. Mais la constance perceptuelle est beaucoup plus difficile à contourner parce qu'elle agit, au fond, de façon plus inconsciente. Elle a joué, en particulier, des mauvais tours aux peintres à la Renaissance, comme Giotto, par exemple, quand il fut question de placer des personnages dans une architecture, dans un décor. Et alors là, l'échelle des personnages nous paraît des fois un peu exagérée. Enfin, ils ont l'air trop grands pour le décor dans lequel ils se trouvent. C'est que Giotto a été plus fidèle, en somme, aux données de la constance perceptuelle qu'aux données de la géométrie au sens strict. Même chose pour les coloris. Si vous voyez les vêtements, ils sont traités, en somme, d'une certaine façon, d'une couleur uniforme et non pas avec toutes les nuances de la sensation. Hein. Et c'est avec, en fait, les impressionnistes qu'on commence à avoir tout à fait une autre approche sur ces problèmes. Et en particulier, on pourrait dire qu'avec Manet, l'ancien rapport perception-sensation est inversé. Et maintenant, on va donner de plus en plus d'importance à la sensation colorée. Ceci, évidemment, va créer beaucoup plus d'effets de réalisme, si on veut, dans les tableaux. Les tableaux paraissent plus près de la réalité, mais ça va avoir des conséquences extrêmes aussi pour tout l'ensemble de l'histoire de l'art qui va suivre. C'est que, en mettant en question ces tout cohérents qui sont des données constantes de la perception, les peintres vont aussi mettre en question les critères de cohérence que nous avons dans la réalité. Non seulement, donc, ils vont défaire la réalité d'une certaine façon, mais ils vont aussi questionner, en somme, nos principaux critères de cohérence. Rien ne le montre mieux, dès le départ, si vous voulez, que le chef-d'œuvre de Manet, qui est intitulé « Le déjeuner sur l'herbe », et dont j'ai ici une reproduction. Ce tableau... Manet avait d'abord voulu l'intituler tout simplement « Le bain ». Hein? Il se rattache d'ailleurs à une tradition qui est bien établie au 19e siècle, qui est la tradition des baigneuses, si on veut. Ça, c'est un thème qui a tenté Renoir, qui a tenté Cézanne, enfin, qui a tenté beaucoup de peintres à cette époque. Quelle était l'idée de ce thème en particulier? C'était de représenter le nu, et quand on parle du nu à ce moment-là, on pense essentiellement au nu féminin. C'était donc de représenter le nu dans un décor qui ne fasse pas trop penser à l'atelier ou à l'académie, qui a l'air naturel. Alors, on imaginait une espèce de scène de pique-nique, si on veut, où, comme par hasard, les jeunes filles décidaient de se déshabiller. Vous dire que le tableau fit scandale ne vous surprendra pas. L'empereur du temps l'a déclaré indécent, ce qui a évidemment servi beaucoup à sa publicité. Et je voudrais que vous écoutiez la description un peu outrée qu'en a fait un critique anglais du temps qui s'appelait Hamerton. Voilà qu'un misérable français vient de rendre ceci dans le langage du réalisme français moderne sur une plus vaste échelle, et en substituant l'horrible vêtement français actuel au gracieux vêtement vénitien. Oui, les voici sous les arbres, la figure principale entièrement nue. Une autre en chemise, sortant d'un petit ruisseau qui coule tout près, et deux Français, la tête couverte, assis sur l'herbe d'un vert très cru, avec un air de satisfaction béate. Il y a d'autres tableaux du même esprit qui donnent à penser que le nu, peint par des hommes vulgaires, est inévitablement indécent. Quand, en début de citation, Hamerton dit qu'un misérable français a transposé ceci dans le langage du réalisme contemporain, le « ceci » en question auquel il fait allusion, c'est un autre tableau dont se serait inspiré Manet. En effet, l'idée de représenter des femmes nues et des hommes habillés dans un même tableau n'est pas nouvelle. On la trouve déjà dans un tableau célèbre auquel pensait Hamerton, qui est le tableau de Giorgione, le concert champêtre, hein, dans lequel on trouve le même thème. Il semble même que Manet se soit inspiré encore plus directement d'un autre, j'allais dire un tableau, mais en fait, il s'agit d'une gravure, attribué à Marc Antonio Raimondi et fait d'après Raphaël. C'était une représentation du jugement de Paris
Et la partie qui aurait retenu davantage l'attention de Manet, c'est la partie qui se trouve à droite de la gravure. Et il aurait, en somme, disposé ses personnages exactement comme dans cette gravure de Raimondi. Quand Hamerton parle aussi de l'horrible vêtement français, il a été frappé par autre chose aussi dans ce tableau. Non seulement par le fait que le tableau dialogue avec la tradition, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler les effets de contraste tout à fait typiques de ce tableau. Hein. Non seulement les personnages sont nus et habillés, mais les personnages habillés sont en gris ou en noir, si vous voulez, enfin, de façon très foncée, alors que le corps de la personne du modèle nu féminin qui est au premier plan se détache tout à fait par rapport à ces derniers. Autrement dit, ce que Manet avait sacrifié, c'est ce qu'on appelle le fondu, ce qu'on avait d'ailleurs dans le tableau de Giorgione, c'est-à-dire le passage très graduel, en somme, d'une couleur à l'autre, du bistre au rougeâtre, justement à cause du choix des beaux costumes vénitiens dont parlait Hamerton. Hein? Alors, autrement dit, au fondu des anciens, Manet est en train de substituer le contraste des modernes. Ce que Manet nous proposait, c'était ni plus ni moins qu'une nouvelle façon de percevoir la réalité. Cette notion de contraste sur laquelle il a tellement insisté a d'énormes conséquences, parce que c'est en résistant au contraste, justement, qu'on arrive à maintenir ce que j'appelais de plus haut cette constance perceptuelle. Si, au contraire, vous insistez sur les oppositions fortes de noir et de blanc ou d'éclairé ou de non éclairé, vous brisez ces tout perceptuels que je mentionnais et vous obtenez une scène, au fond, qui a plus de rapport avec la sensation qu'avec la perception. Et alors, ça a une conséquence, disons, dans la lecture même de la scène qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'au lieu de voir une scène intégrée, cohérente, on a tendance à voir des personnages. On a tendance à voir la femme nue, les hommes habillés, les uns après les autres, et non pas comme faisant partie d'un même groupe, si on veut. Alors, on peut parler d'une véritable fragmentation de la scène. Et donc aussi d'une perte de vitesse, si je puis dire, du côté anecdotique du tableau. Il devient beaucoup moins ce thème des baigneuses que j'évoquais au début. Hein? L'anecdote est comme mise en question par la façon même dont il est traité. Hein? Et alors, on peut se demander dès lors, quelle est la réalité de l'événement qui nous est représenté ici? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé? Et on a très nettement, au contraire, l'impression qu'il s'agit d'une scène toute montée, enfin, faite dans l'atelier par Manet lui-même, dans laquelle, au fond, qu'il n'a d'autre réalité, si je voudrais dire, que celle d'une scène qui se passe en atelier. D'où alors le détachement des personnages, d'où le fait qu'ils ont l'air de ne pas converser les uns avec les autres, d'où l'aspect en particulier de la jeune femme complètement détachée de l'espèce de scénario érotique dans lequel elle serait normalement située. Hein? Et ceci, ça avait des conséquences, si vous pensez à quelle était la signification de la nudité féminine au 19e siècle. La nudité féminine était une chose imposée et la femme était considérée comme un objet de contemplation. Ce n'était pas quelque chose qu'elle choisissait. Hein? Et alors, au contraire, dans le tableau de Manet, on a l'impression que le modèle qui est là, qu'on connaît d'ailleurs, qui est Victorine Meurant, reprend possession d'elle-même, s'affirme comme telle et, au fond, est là parce qu'elle le veut bien. Hein? Alors, ce côté un peu inattendu, qui n'est peut-être pas d'ailleurs une conséquence que Manet avait tellement calculée et prévue, est une conséquence de cette fragmentation de la scène, de cette mise en question du côté anecdotique du tableau, comme si, en somme, reprenait le dessus le fait de s'affirmer comme pure peinture. Hein. Alors, Manet, qui avait déjà donc présenté ce tableau à scandale dans un salon, récidive une autre fois en 1865, cette fois-ci avec un tableau également célèbre qui s'appelle l'Olympia. On ne sait trop comment l'Olympia fut accepté par le jury. Le titre du tableau fait probablement allusion au personnage d'Olympe dans le roman et d'ailleurs aussi dans la pièce d'Alexandre Dumas, fils, intitulée « La dame aux camélias », et qui mettait en scène une courtisane sans cœur, sans pudeur et sans intelligence et qui se servait de sa beauté pour faire de l'argent. Il paraît qu'Olympe était un nom assez courant chez les cocottes de l'époque. Dire que le tableau fit scandale comme le déjeuner sur l'herbe, ce n'est pas assez dire. Par exemple, Paul de Saint-Victor, un des critiques de l'époque, écrivit « La foule se presse, comme à la morgue, devant l'Olympia faisandé et l'horrible Ecce Homo de M. Manet. » Jules Claretti, un autre critique du temps, l'a décrit comme une
odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où, et qui représente Olympia. Pourtant, une fois de plus, Manet avait pris soin de puiser son sujet dans le répertoire classique. Il s'était inspiré d'une Vénus célèbre du Titien, tableau qu'il connaissait très bien d'ailleurs, puisqu'il s'était donné la peine de le copier aux offices à Florence. Mais comme on le faisait au 19e siècle, Manet l'interprétait comme le portrait de la maîtresse du peintre, enfin la duchesse d'Este. On sait maintenant que Titien avait voulu peindre plutôt une représentation symbolique de l'amour domestique. C'est ce qui expliquerait en particulier le bouquet de roses qu'elle tient dans sa main. C'est aussi l'explication du geste pudique de sa main gauche. Également, le chien qu'on voit tout à fait à droite et qui représente la fidélité. Et finalement, enfin, dans le fond du tableau, le coffre de mariage. Mais cette interprétation symbolique, qui était sans doute plus proche de l'intention du Titien, avait été complètement oubliée au 19e siècle et on s'en était tenu en somme à cette interprétation un peu plus plate, afin de simplement d'un portrait de la maîtresse du Titien. Mais ces références extérieures au tableau n'en épuisent pas le sens. Elles sont bonnes à connaître, elles nous donnent à la fois l'intention du peintre, le sujet qu'il a voulu traiter, et aussi ses sources. Mais quand je citais tout à l'heure les critiques qui parlaient de l'espèce de modèle ignoble pris je ne sais où, on voit que la mise en scène de Manet avait créé un peu de surprise. Enfin, on se demandait quel était exactement le sujet du tableau. Et d'ailleurs, il est difficile à identifier. Est-ce que l'Olympia est en train de congédier un client ou au contraire de le recevoir? Est-ce que la servante noire qui est là reçoit un bouquet ou au contraire, on lui dit simplement d'aller le ranger quelque part? Hein? Si bien que l'anecdote qui serait à la base du tableau devient obscure, devient difficile, et toute tentative d'expliquer, disons, la froideur du personnage de l'Olympia en termes psychologiques est un peu vouée à l'échec. Au fond, nous regardons le tableau, mais le tableau nous regarde. Si bien qu'on a l'impression finalement que Manet est beaucoup plus intéressé par un problème formel et non pas par un problème de sujet, un problème d'iconographie. Et le problème formel qui l'a intéressé, c'est de travailler encore cette notion de contraste, mais là, non pas comme on le faisait traditionnellement, c'est-à-dire des contrastes en valeur. Valeur, ça veut dire tout simplement ces variations du sombre au clair à l'intérieur d'une même teinte, mais Manet proposait carrément des contrastes entre des couleurs. Hein? Et à mon sens, c'est la raison principale pour laquelle, justement, dans ce tableau, la servante est noire et qu'il y a aussi à côté d'elle un chat qui est noir également. C'est-à-dire, Manet avait besoin d'opposer à la couleur chair de l'Olympia, au contraire, en contraste, si vous voulez, de couleurs, des teintes grenat et des teintes vertes très foncées et des noirs éventuellement, pour obtenir ce contraste de couleurs et non pas ce contraste comme on l'avait toujours fait. Nous retrouvons donc, à propos de l'Olympia de Manet, ce que nous disions sur le déjeuner sur l'herbe. Autrement dit, Manet travaille d'abord à détruire l'anecdote, le côté, si vous voulez, littéraire du tableau, et d'autre part, il travaille essentiellement sur la forme, hein, comme ici, sur le contraste entre des couleurs plutôt qu'entre des valeurs. Intitulé « Le Fifre », ce tableau fut présenté au salon de 1866, mais il ne fut pas retenu par le jury qui avait pourtant accepté l'Olympia. On se demande d'ailleurs quels étaient les critères de ces fameux salons. Il s'agit d'un portrait d'un enfant de la troupe de la garde impériale, et on a suggéré d'ailleurs que le modèle qu'il avait posé ici est encore Victorine Meurant, c'est-à-dire le modèle qui était dans le déjeuner sur l'herbe. Comme vous savez, le mot « fifre » vient de l'allemand « pfeifer » et ça désigne, en somme, un instrument, une petite flûte qui était employée souvent dans la musique militaire. À propos de ce tableau, on a parlé d'images d'Épinal. Les images d'Épinal, c'était des images populaires, comme par exemple celle-ci qui représente les degrés des âges, si on veut, en fait, les différents âges de la vie, depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Et elles avaient ceci de particulier, de souvent, de représenter les costumes, mais aussi de les traiter en aplat, c'est-à-dire que les couleurs sont appliquées sans aucune nuance remplissant, comme toute la surface qui leur est assignée. Hein. Une couleur peinte en aplat est une couleur appliquée uniformément, sans nuance, comme s'il s'agissait de couvrir une surface plate. Manet traite son sujet comme une silhouette. Hein.
Et on dirait qu'il a diminué, comme à plaisir, tous les indices qui nous permettraient de le situer dans un espace. Comme par exemple, si vous remarquez au bas du tableau, vous n'avez pas de ligne de séparation entre le plancher et le mur. Aussi, il n'y a pas d'ombre portée du personnage sur le fond du tableau. Hein? Et même, on pourrait dire que le galon du pantalon vient encore souligner le côté linéaire de son personnage. En somme, le petit enfant là, qui est représenté ici est traité un peu comme il le serait par l'imagerie populaire, ce qui, bien sûr, n'était pas digne de la grande peinture et s'y expliquerait finalement pourquoi le salon l'est refusé. Dans le balcon, tableau de 1868-1869, Manet s'est intéressé au contraste qui existe entre la lumière de plein air et l'obscurité qui dévore les formes à l'intérieur. Il s'est souvenu aussi d'un tableau de Goya, enfin d'un tableau qui l'avait précédé, Les Mayas au balcon, dans lequel Goya aussi avait senti quelque chose des possibilités de ces contrastes entre extérieur et intérieur. Mais Manet pousse cela beaucoup plus loin. Hein. Comme l'a fait remarquer Gombrich, le visage du personnage principal paraît complètement aplati. Fidèle à la sensation produite par un visage situé en pleine lumière, Manet est arrivé à sacrifier ce qu'on appelait le modelé, hein, et ce que les peintres anciens essayaient toujours de sauver. Le modelé, vous savez, c'est cette technique qui permet de représenter des volumes ou de donner l'impression du volume en faisant des passages très graduels de l'ombre à la lumière, en partant de la périphérie de l'objet, en allant jusqu'à son centre. Alors, en travaillant, au contraire, presque, en langage photographique, en high contrast, Manet, au fond, effaçait quelque chose de ses volumes, mais en même temps, efface quelque chose de l'expression des visages. Hein? Autrement dit, en passant du Goya au Manet, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose de conspiration amoureuse, en fait, de cette espèce d'atmosphère un peu particulière qu'il y avait dans le Goya, un peu mystérieuse. Au contraire, dans le tableau de Manet, tout ce côté anecdotique est effacé. Les personnages ont une présence physique très forte, celle-là même de la sensation, mais ils ont, pour ainsi dire, très peu de présence psychologique. On ne sait pas bien quel est l'argument qui les réunit sur ce balcon. Et Manet ne raconte rien. Il manifeste aucune propension à l'action dramatique. Chez Manet, la peinture réclame déjà le droit de faire autre chose que la littérature. Avec un bar aux Folies Bergères, Manet aborde un sujet qu'on pourrait considérer comme très moderne. C'est un sujet, d'ailleurs, qui a intéressé aussi les littérateurs de son temps, comme Maupassant, Zola, les Goncourt. Mais eux, évidemment, en ont fait l'objet d'une étude psychologique ou sociale. À première vue, on a l'impression que Manet suit la pente aussi. Il place sa serveuse, comme ça, au centre de la composition, un peu perdue dans ses rêveries. Mais il faut prendre attention de la façon dont le tableau est composé. On pourrait y distinguer essentiellement deux espaces. Il y a un espace qu'on pourrait qualifier de réel, qui est au premier plan, où la serveuse se situe avec ses bouteilles, son plateau de fruits, etc. Et il y a derrière elle, en reflet, dans un miroir, le public qui est au balcon, qui est en train de regarder un spectacle, évidemment, qui nous échappe à nous, qui regardons le tableau. Et le personnage que vous voyez tout à fait à droite de l'image, c'est en réalité le reflet vu de dos de la serveuse, qui est en train d'ailleurs même de parler à un client qu'on aperçoit à peine là, tout à fait dans le coin droit de l'image, et qui lui aussi, évidemment, est donné en reflet dans le miroir. Ces deux espaces, on pourrait les qualifier, le premier comme un espace du travail ou de l'ennui, si vous voulez, pour essayer d'interpréter un peu le regard distrait de la serveuse. Et l'autre espace, enfin celui qui est reflété simplement dans le miroir, c'est l'espace de la fête, de l'activité. C'est les gens sont au spectacle, ils sont aux Folies Bergères, ils regardent quelque chose qui nous échappe à nous, spectateurs. Et en somme, dans ce tableau, Manet établit une espèce de tension, si on veut, entre deux espaces, un espace du travail qui est statique, puisque d'une certaine façon, la serveuse ne fait rien, elle pose les mains sur le comptoir. Et on pourrait dire même qu'à ce niveau, Manet lui a donné une espèce de densité d'objets.
il a comme multiplié les rapports formels entre les objets qui sont devant elle et la forme même de son corps et même les couleurs de sa robe et de ses cheveux. Si vous faites le rapport entre la couleur un peu orangée et noire et blanc, vous les retrouvez, ces couleurs-là, dans les bouteilles de champagne qui sont à sa droite. Et même, on pourrait dire, même la forme de la bouteille aussi rappelle de quelque façon la forme même du corps de la serveuse. Hein? Et alors, c'est comme s'il avait voulu donner à son personnage, j'allais dire, l'opacité d'un objet. Et d'ailleurs, elle est perdue dans ses rêveries. Quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un dont l'intériorité est inscrutable. On n'arrive pas à savoir ce à quoi elle pense. Hein? Alors ça, c'est ce qui se passe au premier plan. Alors qu'au contraire, ce qui serait la fête, l'activité qu'on voit à l'arrière-plan, nous est donnée qu'en reflet, qu'en représentation, que dans un miroir, c'est-à-dire sans la densité ou l'opacité des objets qu'on a au premier plan. Et au fond, c'est un magnifique commentaire sur la peinture. La peinture est à la fois matière, opacité, si vous voulez, objet, et par ailleurs, elle est aussi représentation, elle suggère autre chose qu'elle-même. Le second peintre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Edgar Degas. Il va nous permettre de souligner un autre aspect qui était déjà présent chez Manet, mais qui se trouve peut-être de façon encore plus originale chez Degas. Je veux dire, le besoin qu'ont eu ces peintres de peindre la vie moderne, d'être moderne. Au fond, ils étaient en réaction contre la peinture de leur temps, qui était cette peinture académique qui était assez volontiers intéressée par des sujets mythologiques, par des sujets historiques. Et il faudrait bien que j'évoque d'ailleurs une bonne fois pour toutes cette peinture académique contre laquelle la peinture moderne s'est définie dans ses débuts. Et je vais le faire avec un seul tableau, mais quel tableau? Il s'agit d'un immense tableau qui est d'ailleurs conservé au Musée des beaux-arts de Montréal et qui représente la jeunesse de Bacchus et qui a été peint par le peintre académique Bouguereau. Je vous dis, c'est un très, très grand tableau, mais en plus, alors, il a ceci de très caractéristique, qu'il est consacré à un sujet mythologique qui met évidemment en valeur le nu et le nu féminin, et aussi qui est peint avec, j'allais dire, une technique telle, en essuyant tous les coups de pinceau, que même si vous vous approchez très, très près du tableau, vous ne voyez aucun détail, aucune trace de pinceau. C'est ce qu'on appelle cette peinture léchée. Alors, par rapport à ce genre de tableau, évidemment, les tableaux de Manet et de Degas vont paraître tout à fait différents, enfin, tout à fait même, j'allais dire, en rupture avec ce genre de peinture académique. Le poète qui s'est fait l'avocat de cette façon de voir les choses, c'est Charles Baudelaire. Hein? C'est lui qui a dit qu'il fallait que la peinture peigne la vie moderne. Et effectivement, les peintres comme Manet et Degas vont remplir ce programme. C'est en 1858, lors d'un voyage à Florence chez sa tante, que Degas a eu l'idée de faire le portrait de la famille Bellelli. On pourrait dire l'idée de faire un portrait de famille n'est pas nouvelle, mais ici, vraiment, Degas a pris beaucoup de liberté avec ce genre qui nous aurait fait attendre, en fait, une présentation beaucoup plus rangée, beaucoup plus académique. Si vous regardez bien les personnages, vous allez voir que chacun semble prendre une attitude particulière. La mère est comme perdue dans ses rêveries. Elle n'est certainement pas attentive au peintre qui est en train de croquer cette scène. La petite fille qui est au centre aussi regarde dans une autre direction. Elle affiche même, une pose un petit peu inconvenante, puisqu'elle est assise sur une de ses jambes repliées sous elle, elle met les mains sur la hanche, enfin, toute chose qui manque, évidemment, beaucoup de décorum. Le père, lui, nous tourne carrément le dos et semble occupé à toute autre chose qu'à cette séance de pose. Si vous remarquez, sur le coin de la table, il y a des papiers, enfin, il est occupé à faire autre chose. Et au fond, le seul personnage qui est prêt pour la pose, c'est la petite fille qui est près de sa mère, qui se trouve juste à côté de moi, et qui, elle, regarde le peintre, et donc regarde le spectateur, et crée le lien avec le spectateur. Tout se passe donc comme si Degas avait décidé de peindre ses modèles avant la séance de pose, et dans un moment où ils n'ont pas encore pris position comme ils le devraient, enfin, devant s'ils avaient à poser pour un peintre académique. Hein.
Et ça paraît tellement curieux parce qu'on se demande comment ça se fait que cette famille Bellelli, on sait que Bellelli était lui-même un comte italien, comment se fait-il qu'ils ont permis à Degas, en somme, de les représenter de cette façon? Tout s'éclaire quand on sait que la mère ici est en réalité la sœur de Degas et que c'est donc une famille qu'il connaissait très bien. Et c'est même là, chez eux, qu'il avait fait ce séjour à Florence dont je parlais à l'instant. Alors, et on sait par ailleurs, par des documents d'époque, que non seulement, enfin, donc c'est des gens qui sont apparentés à Degas, mais c'était aussi des gens qui ne s'entendaient pas très bien. Il y a une espèce de tension dans le couple Bellelli et Degas s'est comme fait, enfin, disons, l'interprète de cette tension dans son tableau. D'abord, première chose qu'il faut remarquer, c'est que, et c'est constant dans les tableaux plus anciens de Degas, c'est cette séparation entre les personnages qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Souvent, Degas, de cette façon-là, indique une tension ou un conflit à l'intérieur du couple. Et d'ailleurs, la mère est perdue dans ses pensées. Et si vous remarquez, près d'elle, il y a un tableau. Et dans ce tableau, il y a un dessin qui représente son père. Et elle est en fait en deuil de ce personnage qui était Hilaire Degas, qui est le grand-père, si on veut, des enfants. Et il est ici représenté aussi par un dessin de Degas. Alors, en somme, Degas se rend présent aussi dans le tableau en mettant un de ses propres croquis en scène comme ça. Et par ailleurs, si vous allez au père, vous allez vous rendre compte qu'il est face à un miroir. Alors, de même que le tableau qui est près de la mer semble avancer vers nous, le miroir, au contraire, crée un espace creusant. Et donc, on pourrait dire à la verticale, d'une certaine façon, ou plutôt de façon perpendiculaire, Degas introduit aussi une tension qui représente un peu la tension du couple. Et finalement, j'allais dire que l'orientation des épaules et des visages des petites filles répète l'aliénation du couple. Alors, voilà donc un tableau tout à fait étonnant, enfin, par rapport au modèle qu'il contredit, si on veut. Et c'est là qu'on peut voir en quoi il est moderne. Et je pense qu'essentiellement, ce qui est moderne ici, c'est l'absence de décorum. C'est la révélation d'une sphère privée. Au fond, ce qu'on nous montre ici, ce n'est pas une famille bourgeoise voulant se donner une image publique bien mise et bien rangée. C'est au contraire la famille bourgeoise saisie dans un moment d'intimité ou dans un moment privé, au moment justement avant la pause. Hein. Et ça, Degas commence à ce moment-là à explorer, disons, un domaine qui n'avait pas été beaucoup avant lui, c'est celui de cette sphère privée opposée à cette sphère publique qu'on avait toujours explorée avant lui. Hein. Et c'est dans cela, je pense qu'au fond, on peut parler vraiment d'un tableau moderne par son sujet. Degas s'est toujours défendu de chercher son inspiration dans la littérature, mais il entend la littérature surtout au sens de littérature classique, parce qu'avec la littérature moderne, évidemment, on peut penser qu'il avait d'autres affinités, hein, que ça ne posait pas les mêmes problèmes. Et effectivement, dans le nouveau tableau que nous voyons maintenant, qui s'intitule « Le viol », le Théodore Reff, qui est un historien d'art important, a démontré que ici, au moins dans ce cas-là, Degas s'est inspiré d'un roman de Zola qui s'appelle Thérèse Raquin. Et ceux qui ont lu le roman savent qu'il s'agit de la description, en somme, d'un amour illicite entre Thérèse et Laurent. Et la scène qu'a choisi de nous représenter Degas, c'est la scène qui suit, en somme, le meurtre du premier mari de Thérèse pour que les deux amants puissent enfin vivre seuls ensemble. Et, en somme, c'est leur première nuit de noces. Laurent ferma soigneusement la porte derrière lui et demeura un instant appuyé contre cette porte, regardant dans la chambre d'un air inquiet et embarrassé. Un feu clair flambait dans la cheminée, jetant de larges clartés jaunes qui dansaient au plafond et sur les murs. La pièce était ainsi éclairée d'une lueur vive et vacillante. La lampe, posée sur une table, pâlissait au milieu de cette lueur. Madame Raquin avait voulu arranger coquettement la chambre, qui se trouvait toute blanche et toute parfumée, comme pour servir de nid à de jeunes et fraîches amours. Elle s'était plu à ajouter au lit quelques bouts de dentelle et à garnir de gros bouquets de roses les vases de la cheminée. Une chaleur douce, des senteurs tièdes traînaient. L'air était recueilli et apaisé, pris d'une sorte d'engourdissement voluptueux. Au milieu du silence frissonnant,
Les pétillements du foyer jetaient de petits bruits secs. On eût dit un désert heureux, un coin ignoré, chaud et sentant bon, fermé à tous les cris du dehors. Un de ces coins faits et apprêtés pour les sensualités, les besoins de mystère de la passion. Thérèse était assise sur une chaise basse, à droite de la cheminée. Le menton dans la main, elle regardait les flammes vives, fixement. Elle ne tourna pas la tête quand Laurent entra. Vêtue d'un jupon et d'une camisole bordée de dentelle, elle était d'une blancheur crue sous l'ardente clarté du foyer. Sa camisole glissait et un bout d'épaule passait, rose, à demi caché par une mèche noire de cheveux. Vous aurez reconnu au passage plusieurs détails dans le tableau de Degas. Les correspondances sont assez frappantes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas mentionnées dans le texte qu'on vient de lire, mais qu'on peut supposer, qu'on pouvait déduire facilement à la lecture de tout le roman. Comme par exemple cette boîte de mercerie qui est au centre de la composition, qui est très évidente, et vient du fait qu'on sait par le roman que la mère de Thérèse avait une boutique de mercerie. Alors, ce n'est pas étonnant, donc on retrouve cet aspect-là. Mais il y a beaucoup d'autres détails aussi qui sont fort intéressants, qui sont propres à Degas, comme par exemple l'incidence sur les éclairages artificiels. Hein? Au lieu de montrer ensemble l'éclairage naturel, celui qu'on aurait par le soleil, là, tout est fermé, hein? On n'a pas de fenêtre, et on n'a que cette lampe au fond qui jette une espèce de lueur un peu blafarde. Aussi, la tête de Laurent, c'est-à-dire du personnage masculin, vient de toute une série d'études que Degas a fait. Il s'est intéressé en particulier à ces théories de Lombroso sur les criminels qui prétendaient justement qu'on pouvait trouver qui avait une propension pour le crime juste à la façon dont sa figure était constituée. Hein, c'était une espèce de lecture de physionomie et on disait ben il y avait des physionomies de criminels. Et ça, disons, on sait que Degas en a fait des croquis, a étudié ça, avait le livre de Lombroso, etc. Donc, ce n'est pas fait du tout au hasard. Il y a le personnage féminin aussi qui est un espèce de nu non académique, si on veut, puisque je dirais davantage d'ailleurs que la jeune fille là, est plutôt déshabillée que nue. Hein? Et là aussi, c'est Degas tendant à se démarquer de l'académie, essayant de présenter ensemble le nu féminin, toujours dans un contexte réaliste, un peu comme on avait vu à propos de Manet plus haut. Alors, tous ces aspects, si on veut, qui sont du cru de Degas, fait qu'on a affaire, en fait, à un tableau alors encore plus complexe, qui a un rapport avec la littérature, mais qui a aussi, évidemment, un rapport personnel à Degas. D'ailleurs, Zola lui-même avait défini le projet de son roman, et en définissant le projet de son roman, on peut dire qu'il définissait aussi l'intention de Degas. Je n'ai eu qu'un désir. Étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en eux la bête, ne voir même que la bête, les jeter dans un drame violent et noter scrupuleusement les sensations et les actes de ces êtres. C'est bien aussi ce que Degas voulait faire. Il a d'ailleurs lui-même écrit dans ses carnets « Faire de la tête d'expression style d'académie une étude du sentiment moderne ah. ». On appelait tête d'expression dans les académies, déjà même au 17e siècle, des exercices, enfin, dans lesquels les peintres tentaient de représenter les différentes passions, comme par exemple la colère ou l'envie, en essayant de disposer, en somme, les traits du visage pour exprimer ses passions. Et c'est ce qu'on appelait des têtes d'expression. Et ces têtes avaient toujours quelque chose d'un peu exagéré et de théâtral. En voulant peindre le sentiment moderne, évidemment, Degas voulait faire quelque chose de plus subtil que simplement répéter les anciens et faire ses têtes d'expression comme eux les faisaient. Il veut explorer des sentiments plus subtils, enfin plus contemporains, comme par exemple ces sentiments d'aliénation, comme on le voyait dans les deux tableaux que nous venons de voir, la famille Bellili et le viol. Dans le tableau que nous voyons maintenant, qui s'appelle « Dans un café ou l'absinthe », c'est un peu encore le même type de thème qu'il explore.
Et comme toujours dans Degas, à première vue, on a l'impression d'une scène tout à fait spontanée, mais on se rend compte après coup que c'est une scène assez montée. Comme par exemple, les modèles qui sont représentés ici sont deux personnages que Degas connaissait. La dame est en fait une actrice qui s'appelait Hélène André, et l'homme est un de ses amis peintres qui était Marcelin Desboutin. Et la dame, l'actrice en question, n'était pas du tout une alcoolique. Et on peut voir par le tableau, évidemment, qu'elle savait très bien jouer ce rôle-là, éventuellement. Hein? Et alors, donc, de la même façon qu'on avait cette tension dans le couple, vous la retrouvez ici aussi. Les deux sont perdus un peu dans leurs pensées. Ils sont également séparés par la couleur, par la façon dont c'est disposé. Et on a pensé, encore une fois, à un rapport avec un roman de Zola, à propos de ce tableau-là, en particulier le roman L'Assommoir. Mais il faut savoir que le tableau précède d'une année le roman. Et donc, il ne peut pas s'agir véritablement d'une influence, si vous voulez, littéraire encore sur Degas. Il s'agit plutôt, d'une certaine façon, d'une convergence d'intérêts entre le romancier moderne et le peintre moderne. Alors, les deux s'intéressent, en somme, au même type de tension, même type de situation dans le couple, que ce soit en peinture ou que ce soit en littérature. Mais l'exploration du sentiment moderne concentre l'attention sur les personnages. On va voir maintenant comment Degas a tenté d'explorer aussi les relations des personnages dans un espace. Et il va prendre différentes stratégies pour solutionner le problème. Dans ce tableau qui s'intitule « La femme à la potiche », qui représente, semble-t-il, une de ses nièces, ou plutôt de ses cousines, qui s'appelait Désirée Musson, et qui a été peint peu après son arrivée à la Nouvelle-Orléans, on pourrait dire que Degas a adopté la solution de l'encombrement. C'est comme si le personnage était un peu perdu au milieu de tous ces objets qui l'entourent et qui prennent énormément d'espace et d'importance dans le tableau. Comme par exemple, vous voyez le dos de la chaise sur laquelle le personnage s'appuie. Il y a évidemment cette fameuse potiche qui occupe presque tout l'espace au premier plan. Il y a la table, il y a le coin de mur à l'arrière-plan. Autrement dit, le personnage a comme de la peine à trouver sa place au milieu de tout cet encombrement d'objets. Hein? C'est une façon, évidemment, de repenser la situation du personnage dans un espace. L'autre façon qu'on pourrait illustrer également par un autre tableau de Degas, c'est-à-dire cette femme accoudée près d'un vase de fleurs et qu'on intitule parfois « La femme aux chrysanthèmes », mais peut-être à tort. Là, vous avez, au contraire, le personnage qui est repoussé complètement sur la droite de la composition, j'allais dire qui est presque en périphérie, puis qui est presque en marge. On a parlé à propos de cette façon de composer le tableau d'une influence des estampes japonaises. Peut-être qu'au Japon, la personne humaine n'a pas la même importance que les plantes et les fleurs, etc. Et donc, ça portait à ces compositions très décentrées comme ça. Et donc, une autre fois, Degas essaie d'explorer, en somme, des nouvelles relations entre le personnage et l'espace dans lequel il est situé. La troisième façon de procéder, c'est finalement de recourir à ce qu'on pourrait appeler des cadrages de type photographique. Voici un tableau qui malmène, si je puis dire, la figure humaine d'une autre façon encore. Il s'agit de Place de la Concorde où le vicomte Ludovic Lepic et ses filles. Donc encore, d'une certaine façon, un portrait de famille tout à fait inhabituel. Hein? Il paraît tout à fait ce tableau pris sur le vif, on dirait un instantané photographique, et il nous paraît aller de soi que ce genre de cadrage s'inspire de la photographie. La photographie exclut brutalement de la scène tout ce qui tombe en dehors de son objectif et coupe, comme par exemple à droite, l'épaule de la petite fille, ou même tout à fait à gauche, presque complètement, le personnage qui allait s'engager dans cet espace. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire par cadrage photographique. Hein? Supposez que nous ayons devant les yeux un homme qui se promène dans un espace assez vaste, je n'ai pas la place de la Concorde, mais disons un parc quelconque, avec ses deux petites filles, et alors que vous avez ce mouvement qui se développe devant votre caméra, et vous l'arrêtez soudainement, par exemple, à un certain endroit. Et vous vous trouvez, par le fait même, à composer votre photographie. Il se déplace encore un peu et vous l'arrêtez une seconde fois, vous trouvez que cette composition est meilleure. C'est ça qui est, disons, l'intervention du cadrage photographique et, d'une façon, semble-t-il, assez évidente, Degas aurait eu recours à ce genre de cadrage.
On a même prétendu, d'ailleurs, que c'est Aaron Scharf qui a avancé cette hypothèse-là, qu'il y a des influences réelles de la photographie sur Degas. Il se serait inspiré en particulier de vues stéréoscopiques, qui étaient très à la mode à l'époque, faites par un nommé Hippolyte Jouvin, et dont les albums existaient, comme par exemple qui représentait la place de la Concorde ou d'autres choses. Dans ces vues stéréoscopiques, très souvent, les calèches ou les chevaux sont coupés comme ça par le rebord de la photo. Ce qui est original, évidemment, chez Degas, c'est d'avoir transporté cette idée, de n'avoir osé même l'appliquer au personnage humain. Qu'on coupe une calèche ou un cheval, ça peut encore aller, mais que le personnage humain, lui, se voit comme ça, séparé en deux par le cadre du tableau, ça paraissait beaucoup plus nouveau et beaucoup plus, osé, d'une certaine façon. Alors, voyez donc, en somme, trois façons de situer les personnages dans l'espace ou de les encombrer d'objets ou, au contraire, de les repousser complètement en marge, comme dans les estampes japonaises, ou même de recourir, en fait, au cadrage photographique. Il serait difficile de parler de Degas sans évoquer de quelque façon les tableaux qu'il a consacrés à la danse. Pourquoi Degas s'est-il intéressé à ce thème en particulier? J'y verrais essentiellement trois raisons. La première raison, c'est le goût et je dirais même le respect que Degas avait pour le professionnalisme, pour les gestes professionnels, et j'allais dire même pour les professionnels, le au féminin. C'est ce qui l'amène à traiter évidemment des ballerines, parce que c'est un métier, comme vous savez, très difficile, très dur, très éreintant. Pour arriver à cette grâce et à cette souplesse, il leur faut des heures et des heures de travail. Et certainement que Degas était sensible à ce côté très professionnaliste, si on veut, du métier des ballerines. C'est d'ailleurs ce qui va l'amener aussi éventuellement à traiter un thème que nous verrons tout de suite après, comme les repasseuses. Les repasseuses aussi, ce qui l'a intéressé, c'est tous ces gestes très codifiés, qui avaient d'ailleurs chacun leur nom et qu'il a observé comme ça avec attention. Donc, première raison, une espèce de goût et de respect pour les professionnels. Deuxième raison, je pense que la danseuse lui donnait un bon substitut du nu féminin. C'est bien beau de vouloir supprimer ou de tourner le dos au nu académique, mais qu'est-ce que vous faites avec le personnage féminin? Comment vous le traitez dans un tableau? Quelle place vous lui donnez? Alors, Degas n'est pas encore prêt de lui donner aucune place, au contraire. Et il voit, alors, dans le thème des danseuses, une façon de le remplacer, enfin, de traiter du corps féminin, mais sans retomber, en somme, dans les poncifs académiques des nus d'atelier. Et en même temps, il va, par le biais de la danse, explorer, je dirais, tout un nouveau vocabulaire de gestes. Parce qu'au fond, depuis la peinture, depuis très longtemps, depuis la Renaissance, au fond, c'était beaucoup intéressé à ce qu'on pourrait appeler à des gestes théâtraux. Parce que, évidemment, la peinture est un médium muet. Alors, pour la faire parler, on pensait qu'il suffisait de gesticuler. Et alors, dans certaines périodes, évidemment, les tableaux gesticulent beaucoup. Enfin, comme si, à partir des gestes, on pouvait faire parler les personnages. Mais si vous y pensez, et en particulier dans les gestes qui sont employés par les ballerines dans les ballets classiques, ces gestes-là ne sont pas beaucoup d'ordre expressif ou théâtraux. Ils sont davantage, je dirais, beaucoup plus d'ordre esthétique. Et alors, donc, ça permet à la fois d'explorer tout un vocabulaire de gestes, mais sans retomber dans une série de gestes théâtraux, expressifs, en fait, comme la peinture du passé l'avait toujours fait. Donc, deuxième raison, en somme, un bon substitut au nu féminin. Et la troisième raison que Degas va explorer aussi, c'est, au fond, c'est, là encore, il s'agit de penser à quoi on se réfère. Il s'agit d'un spectacle. Le ballet, c'est un spectacle, c'est quelque chose qu'on regarde. Et la peinture aussi, c'est un spectacle. Et chaque fois que les peintres de l'époque contemporaine ont voulu réfléchir sur le caractère, j'allais dire, de représentation de leur peinture, ils ont souvent été attirés par des thèmes comme le ballet, comme le cirque, par exemple, chez Picasso, ou comme, disons, les courses aussi chez Degas. Enfin, toutes ces occasions, si vous voulez, dans la vie courante, où on est en face d'un spectacle. Alors, donc, par le biais du thème, ça lui permet aussi de réfléchir sur la structure même du tableau.
D'ailleurs, si vous avez remarqué, les tableaux de Degas ne s'attachent pas vraiment au ballet lui-même. Ils nous représentent plutôt ce qu'il précède ou ce qu'il suit, par exemple une ballerine saluant la salle, mais aussi, la plupart du temps, ce qu'il nous représente, c'est des scènes qui précèdent le ballet, c'est-à-dire l'exercice, les classes de ballet à l'intérieur des ateliers, etc. Alors, donc, même sur ce plan-là, Degas est prudent, il ne va pas jusqu'à nous représenter les ballets classiques eux-mêmes. Alors ça, c'est donc sa troisième raison, si on peut dire, enfin, cet intérêt pour la scène, pour la représentation comme telle, symbolisée, si vous voulez, par le biais du ballet. Bon, maintenant, comment Degas va mettre en scène ce thème? Et là, il faut remarquer, il y a une espèce de, j'allais dire, de révolution copernicienne dans la composition de Degas à partir de ses thèmes sur le ballet. On pourrait dire que son espace va pivoter à 90 degrés. Jusqu'à présent, vous voyez, on avait, les tableaux de Degas sont présentés comme parallèles aux spectateurs. Hein? Les personnages peuvent être disposés côte à côte, comme ça, ils peuvent se faire face, ils peuvent nous tourner le dos, mais essentiellement, ils sont situés dans un espace qui est parallèle au nôtre. Avec les tableaux qui ont pour thème la danse, vous allez voir la scène pivote à 90 degrés et les personnages sont présentés de profil. Mais cela a une conséquence extrême, c'est que vous n'êtes plus en relation directe avec le tableau, vous occupez la position d'un voyeur en face du tableau. C'est que Degas est en train de redéfinir la position du spectateur comme celui d'un voyeur. D'ailleurs, n'entrait pas qui veut, à l'époque, dans les académies de danse pour voir les ballerines évoluer. C'était un privilège de l'aristocratie et c'était éventuellement un privilège de peintres comme Degas qui avaient leur carte et qui pouvaient rentrer comme ça, n'allait pas qui veut à ces représentations. Et donc, d'une certaine façon, en nous faisant occuper un peu le siège du voyeur, Degas nous fait partager son privilège dans ce cas-là. Alors, il est donc en train de transformer complètement les relations que le spectateur entretenait avec le tableau. Dans le tableau qui s'intitule « Le foyer de la danse à l'opéra », c'est un tableau qu'il faut, d'abord dire qu'il est tout petit. Il mesure 32 cm de haut, mais ses dimensions modestes sont vite oubliées. Quel luxe d'espace dans ce petit tableau! Grand vide au premier plan, tout juste occupé par une chaise sur laquelle il y a un éventail et un mouchoir. Le monde de la danse, c'est le monde de la sueur et du travail. Hein? Et aussi, il y a cette porte qui s'ouvre sur la gauche et par laquelle on aperçoit une autre salle où évolue une ballerine. Puis il y a ces grandes baies occupées par un miroir qui révèle qu'au-delà de la porte que l'on voit à gauche, le mur se continue et que cette partie de la salle qui nous échappe est occupée elle aussi par trois autres danseuses. Puis, il y a le petit miroir où se mire la danseuse qui nous tourne le dos au premier plan. En somme, toute une espèce de luxe d'espace, on pourrait dire. Le moment que Degas a choisi de représenter, c'est le moment où le maître de danse, on le voit à droite, il s'appelait Morène, semble-t-il, a une baguette dans les mains et donne un coup sur le sol. Et à ce moment-là, c'était le signal pour la danseuse d'arrêter de danser. Autrement dit, on retrouve notre idée d'instantané, hein, comme je parlais tout à l'heure d'instantané photographique. Même le violoniste a déposé son archet. La danseuse a suspendu son vol, si on peut dire. Mais aussi, ça permet à Degas de, non seulement de figer l'action, mais d'explorer ce qu'on pourrait appeler un moment moins élégant hein, de la danse. Hein. Toujours cette volonté de dépasser les conventions, d'aller chercher en somme quelque chose qui n'a pas encore été exprimé. Même exploration passionnée de l'espace dans cet autre tableau consacré à la danse. Aussi, vous voyez aussi le pivotement à 90 degrés que je vous signalais tout à l'heure pour la composition, pour la façon dont les personnages sont disposés dans le tableau. Le maître de danse, cette fois-ci, n'est plus Morène, mais il s'agirait, semble-t-il, d'un personnage qu'on appelait le père Pluck, et qui a une figure assez bonasse, qui est appuyée sur un bâton noueux. Et c'est essentiellement aussi le même moment qu'a voulu représenter Degas. Avec le thème des danseuses, Degas se trouvait donc à explorer un univers social tout à fait particulier. Un autre groupe, j'allais dire, de professionnels, aussi au féminin du terme, au sens féminin du terme, a été exploré par Degas, et c'est un groupe, en somme, d'ouvrières très spécialisées
qui s'appelaient les repasseuses, hein, c'est-à-dire donc des ouvrières qui, effectivement, faisaient le repassage. C'est un groupe très marginal dans la société du temps. Là aussi, c'est un spectacle qui n'est pas donné souvent à voir. Quand vous pensez à une peinture qui est très orientée vers le loisir, de nous montrer le travail et en plus le travail féminin. Et on sait que Degas avait une espèce d'admiration pour la technique de ces femmes qui savaient, en somme, toute une série de gestes très spécialisés, codifiés, qui avaient leur nom, d'ailleurs, et qu'il avait appris et qu'il a essayé de recenser comme ça dans une série de tableaux. Le dernier thème qui l'occupera finalement, ce sera celui des femmes au bain. J'ai parlé de la façon dont Degas avait redéfini la position du spectateur comme la position d'un voyeur, hein, quand il avait fait, en somme, pivoter son axe de composition. Évidemment, ce thème du voyeur, vous le retrouvez répété, repris à satiété dans cette série des baigneuses. Mais en fait, ça serait presque trop simple de réduire ces tableaux fascinants uniquement avec ce thème-là, parce qu'au fond, Degas nous révèle aussi l'intimité des femmes, le monde, j'allais dire personnel, le monde intime de la femme est également révélé. Et alors, son tableau se situe dans une espèce d'ambiguïté à mi-chemin entre le voyeurisme masculin, et d'autre part, la reprise de possession par la femme de son univers à elle, de son corps et de cet univers intime. Hein. Alors, Degas, comme Manet, finalement, aurait exploré beaucoup d'aspects de la vie moderne. À eux deux, en somme, ils ont exploré à la fois les structures de la vision, la façon dont nous percevons les choses, et par ailleurs, ils ont également exploré toute une série de sujets modernes. Mais vous comprenez que ces deux thèmes, à la fois celui de la perception, et qui est remplacée, comme je vous disais, peu à peu par la sensation, et d'autre part, les sujets actuels sont liés, hein, parce que si vous travaillez avec la sensation, vous travaillez dans les données immédiates, pour parler comme Bergson, et vous travaillez donc aussi dans l'actualité. Alors, donc, la prochaine fois, lorsque nous reverrons la semaine prochaine, le thème que j'aimerais aborder, ce sont un peu les héritiers de Manet, c'est-à-dire les peintres impressionnistes qui, eux aussi, vont explorer d'autres aspects de la sensation et de la vie moderne.